Atteinte d'un cancer en phase terminale, une jeune fille de 14 ans prend une décision hors du commun qui marquera l'époque contemporaine de la Grande-Bretagne. Connue sous les initiales JS, en 2016, elle prend son courage à deux mains et écrit une lettre à la justice, étant donné qu'elle ne peut pas faire de testament dû à son jeune âge. « J'ai seulement 14 ans et je ne veux pas mourir, mais je sais que je vais mourir. Je veux vivre plus longtemps et je crois que le fait d'être cryoconservé me donne une chance d'être soignée et de me réveiller. Elle ne peut plus lutter contre la mort, mais espère être ressuscitée un jour. » Cette décision n'avait pas fait l'unanimité dans sa famille, surtout du côté de son père, avec qui elle n'avait pas tellement d'affinité. Celui-ci craignait qu'elle se réveille 200 ans plus tard dans un monde complètement différent, sans repères, qui sait, peut-être avec d'autres espèces. La même année, la haute cour de Londres décide de prendre en compte la demande de la fille et la vie favorable de sa mère étant donné que c'est elle qui avait la garde. Ses grands-parents ont pu réunir plus de 40 000 euros nécessaires pour cette opération. Cette décision a été révélée au grand public après la mort de l'adolescente pour ne pas troubler sa fin de vie. Elle est envoyée dans une entreprise spécialisée aux États-Unis où la vie est mise en pause. Le corps de la patiente sera donc congelé jusqu'à ce que la technologie du futur permette de la guérir et de la ramener en vie. Là-bas, elle est cryogénisée parmi d'autres patients qui attendent de voir le jour dans un univers où la mort n'existera plus. Pour commencer, qu'est-ce que la cryoconservation ou la cryogénisation? Certains parlent de ressuscitation ou d'immortalité grâce à la science. Effectivement, la cryogénisation consiste à conserver un être humain dans l'espoir qu'un jour, il puisse revenir à la vie. Tout simple. Le processus consiste entre autres à ce que le patient soit vidé de son sang pour le remplacer par une substance antigel. Celui-ci sera ensuite placé dans un contenant rempli d'azote liquide à une température de moins 196 degrés. Oui, ça ressemble à de la science-fiction, mais je t'assure qu'à l'heure actuelle, quelques milliers de personnes sont sur la liste d'attente pour être cryogénisées, alors que de base on sait pas encore si ça marche ou pas. On note aussi que le patient doit logiquement être mort cliniquement pour être cryoconservé. Une mort clinique, c'est quand les médecins vérifient plusieurs fois via des tests cliniques si la personne est vraiment morte. Ils cherchent entre autres une absence d'activité musculaire spontanée, plus de réflexes et une insuffisance respiratoire. Il faut savoir que ça peut être un état temporaire. Et on parle de mort cérébrale que quand il n'y a plus d'activité cérébrale. Pour la cryo, tout a commencé en 1962, à l'époque de la révolution scientifique, quand un chercheur au nom de Robert Ettinger publie un ouvrage appelé La perspective de l'immortalité. Il prédit un renversement de la vie en éliminant la mort avec la technologie futuriste. Le 12 janvier 1967, le premier homme au nom de James Bedford, mort d'un cancer, est cryogénisé chez Alcor, une des premières entreprises à pratiquer la cryo aux États-Unis. C'est une première mondiale qui a à la fois rassuré et choqué la société du XXe siècle. Bedford était un professeur en psychologie et aussi auteur de plusieurs ouvrages. À ce jour, il est toujours cryogénisé dans l'attente d'un possible réveil d'ici quelques décennies, ou plus, ou jamais. Les années passent et d'autres entreprises spécialisées sont créées, notamment aux États-Unis et en Russie, bien évidemment. Celles-ci deviendront les plus grandes références de la cryo aujourd'hui. Alcor, bien sûr, Cryonics Institute ou Cryorus deviennent un peu les leaders mondiaux de la cryo. Seuls 3 pays sont capables de faire cette opération, les États-Unis, la Chine et bien sûr la Russie. C'est quand même ouf de vouloir combattre la mort, mais l'homme a montré au fil des années que la technologie peut tout faire. Ou presque. Mais bon, tu le sais, la science démontre des possibilités et pas forcément des vérités. Aujourd'hui, 600 personnes ont été cryogénisées dans le monde et près de 3000 sont en attente. Aucune d'elles n'a été réveillée à ce jour et rien ne prouve encore que la cryo soit efficace. J'avais parlé de ça brièvement à un épisode de l'Esprit Sorcier pour la fête de la science avec Fred. Tu peux le voir juste ici. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des soucis biologiques hyper complexes qui n'ont pas été résolus dans la cryogénisation. Premièrement, lors du procédé de congélation, les cellules s'endommagent énormément. Selon les cryonistes, ce serait possible de les préserver en injectant des cryoconservateurs chimiques. Deuxièmement, ces cryoconservateurs chimiques sont toxiques et dangereux pour le corps. Ah, super pratique. Malgré la congélation rapide et les cryoconservateurs, rien ne garantit aussi la bonne conservation des organes. On se demande pourquoi on congèle des corps du coup. Et enfin, l'élément le plus complexe de la cryo, c'est la neuroconservation. Le fait de congeler le cerveau, généralement tête comprise, en la séparant du reste du corps. Ici, on s'en fout du corps parce que aujourd'hui, tout porte à croire que le cerveau contiendrait toute notre mémoire et toute notre identité. C'est que ça qui intéresse avec la neuroconservation. Mais la science est allée plus loin que ça. Les recherches se multiplient dans l'objectif de préserver la mémoire et les souvenirs, et avec l'énorme succès de la technologie, pourquoi pas les transférer ailleurs que dans notre corps. Une sorte d'immortalité de l'esprit si on veut rester poétique. C'est beau, hein? Ou glauque
À toi de voir. Ah, par contre, le transfert de la mémoire d'un individu à un autre pourrait bientôt devenir possible sans neuroconservation. C'est l'objectif que s'est fixé une équipe de chercheurs de l'Université de Californie. Une étude de 2018 a montré un transfert d'apprentissage d'un escargot ayant développé une sensibilisation face à un choc électrique vers un escargot n'ayant jamais reçu de choc électrique. Une sensibilisation, c'est un peu comme une phobie. On est plus sensible à un stimulus et on a des réponses comportementales qui sont plus exagérées que la normale. Pour produire ce transfert, ils ont injecté de l'ARN du système nerveux de l'escargot numéro 1 vers l'escargot numéro 2. Après, l'escargot est devenu sensible au choc électrique beaucoup plus rapidement que l'escargot numéro 1. Les scientifiques ont conclu qu'il y avait là un transfert de souvenirs. Alors bien sûr, on parle d'un être composé de 20 000 neurones seulement, alors que nous, on en a 86 milliards. Difficile de savoir si un jour des étudiants pourront s'échanger des prélèvements d'ARN entre eux pour les partiels. Mais on y arrivera peut-être un jour. Garde espoir, mon ami. D'autres alternatives visent à ce qu'on puisse transférer le contenu de notre cerveau carrément dans un réseau informatique. Du coup, c'est devenu LE sujet de prédilection chez les transhumanistes. C'est le projet de l'inventeur et futuriste Raymond Kurzweil qui souhaite que l'esprit humain circule dans un cyberespace. Un peu comme dans Carbone et Silicium, une BD de Mathieu Babelais où les gens sont déconnectés de la réalité et vivent dans un espace virtuel, je sais pas si tu connais. Et qui aime beaucoup cette idée? On parlera très bientôt de son projet complètement ouf du métaverse dans une prochaine vidéo. On n'est pas encore dans une déconnexion totale, mais on va dans cette direction je trouve. Je sais pas toi, mais si j'étais à ta place, j'irais vite m'abonner et activer la petite cloche pour rien rater. Pour revenir à la cryo, de plus en plus d'argent est investi et de plus en plus d'entreprises se penchent sérieusement sur la question. Nectom est l'une d'entre elles. C'est une entreprise qui utilise les techniques de la cryo pour bien conserver le cerveau. Son objectif est de préserver son contenu et de permettre ensuite le transfert informatique de la mémoire vers un nouveau corps, quand on aura la technologie nécessaire pour, bien évidemment. En ce sens, on pourra même parler d'immortalité numérique. La startup conserve déjà des connectomes d'animaux. Ce sont en quelque sorte des cartes neuronales de cerveau. Grâce à ça, Nectom connaît un grand succès. Le service de stockage de l'entreprise n'est pas encore sur le marché, mais elle a déjà des clients en attente et une vingtaine d'investisseurs. Par contre, en plus du prix exorbitant, la procédure est quand même 100% fatale. Et oui, faut pas oublier cette petite clause du contrat. Les patients doivent renoncer à leur vie et accepter de se faire euthanasier parce que la procédure veut que le cerveau soit le plus frais possible. Ça pose quelques légères questions éthiques, je trouve. À ce jour, l'entreprise détiendrait un seul cerveau humain conservé, celui d'une femme âgée, morte à Portland, 2h30 avant que l'expérience soit faite. Du coup, pas très frais. En attendant, l'entreprise cherche toujours un donneur qui envisage de mourir par suicide médicalement assisté. Des volontaires? Tu peux envoyer ta candidature à info@nectom.com. Bon, des neuroscientifiques critiquent pas mal cette entreprise qui, selon eux, réduirait la complexité des mécanismes neuronaux du cerveau. En plus, pour l'instant, rien ne prouve encore que la mémoire puisse être réduite à un substrat qui puisse résister après la mort. Et oui, on est dans un flou total. Est-ce que tout ça sert à quelque chose au final? On sait pas pour l'instant. Et cette quête de l'immortalité ne fait que commencer. Si la science spécule, la réalité un jour peut très bien nous surprendre. Aujourd'hui, on a bien des voitures qui s'autocontrôlent, des casques VR qui nous transportent virtuellement ailleurs et des fusées spatiales recyclables. Alors la vie après la mort, ça me paraît pas si impossible que ça. D'ailleurs, la recherche d'immortalité n'est pas du tout nouvelle. Au début de l'Antiquité, les Égyptiens momifiaient des corps morts pour les conserver dans les meilleurs des états possibles. Dans la tradition égyptienne, ça permettrait de rendre le défunt sacré et à ceux qui reprennent sa vie dans l'au-delà. Avant le banc de l'étage, le corps et les organes étaient lavés et déshydratés. Le cerveau était volontairement détruit parce qu'il n'était pas reconnu comme un élément important de l'être, contrairement au cœur qui lui était considéré comme le maître des décisions. Aujourd'hui, renversement des situations, c'est bien le cerveau qui est devenu le sujet de prédilection de la cryo. Bon, entre religion, science, technologie et fiction, la cryo s'invite dans tous les domaines les plus complexes qui soient, ce qui rend la chose très intéressante, je trouve. Et toi, qu'en penses-tu de cette technique encore très incertaine? Sur ce, je te laisse sur cette réflexion. Moi, je vais aller modifier mon testament.